La prière, Bible en main, pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement, pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la prière Bible en main. Chaque samedi, 5h-6h AM, sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, de notre communauté et de notre pays. La prière Bible en main est une production du ministère chrétien, le foyer de communion. Veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour amis et bon réveil. Et bienvenue à la prière Bible en main. Oui, pour ce samedi 8 octobre 2022. Moi salue vous et moi content parce que vous là jodi a pour nous capable poursuivre aventure ça à travers la prière Bible en main pour nous capable parler avec bon Dieu nous, pour nous parler avec papa nous, pour nous invoquer, pour nous demander le tout au nom de Jésus, pour lui manifester en faveur de nous. Encore une fois, je suis content que vous là. Je suis content parce que vous prenez place. Et bien, c'est dans ce moment ça, je vais inviter au Chita. Prends Bibou et nous allons parler avec bon Dieu, nous. Oui, nous allons entrer dans la présence de bon Dieu. Nous allons devant le trône. Ah oui, amis. Vous connaissez dans la présence de bon Dieu, c'est là qu'on est capable de cacher. Dans la présence de bon Dieu, c'est là qu'il y a un abri. Dans la présence de bon Dieu, oui, c'est là qu'il y a un refuge. Les bas, elle a chaud dehors. Ou capable d'entrer calmement dans la présence de papa. Et là, il y a un soulagement. Et parole de bon Dieu dit là, il y a la vie. La vie. La vie pour l'éternité. La vie abondante, c'est là. Encore une fois, merci parce que vous là. Et moi, invité au Kodnia pour nous capables d'engager nous ensemble devant le trône de Dieu. Ou là, Zamim, voilà. Je dis, hein, nous allons aborder le sujet ça. Yon louange sans point souffle dans la prière Bible en main. Yon louange sans point souffle dans la prière Bible en main. Amis, comment développer une culture de louange et d'adoration dans un environnement hostile? Ah oui, amis. Eh bien, à question ça, nous allons répondre à travers la prière Bible en main pour jeudi. Une culture d'adoration, une culture de louange à développer en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, amis, ce que nous allons aborder. Et pour ce, je vous invite à prendre votre Bible avec moi. Nous allons lire plusieurs psaumes aujourd'hui, mais notamment le psaume 103 que nous allons regarder
ensemble. Est-ce que vous êtes là, amis? Je vous invite maintenant à regarder le psaume et nous allons le lire ensemble. C'est même pas une récitation, mais c'est une lecture. C'est comme si nous allons redécouvrir le psaume 103 aujourd'hui. D'accord, amis? Voilà. Il a dit, ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, 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 ami. Voilà, ami, comment développer une culture de louange et d'adoration dans un environnement hostile. Voilà le psaume 103. Voilà, ami. Est-ce qu'on l'a? On allait ensemble. Voilà. D'abord, amis, la louange est une question personnelle entre le croyant et son Dieu. Notez ça, amis. La louange est une question personnelle entre le croyant et son Dieu. Le psalmiste dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Autrement dit, celui ou celle qui connaît son Dieu, notamment dans sa sainteté, ne peut que l'adorer et le louer. Est-ce que vous êtes là, ami? Celui qui connaît son Dieu, notamment dans sa sainteté, ne peut que l'adorer. Mon âme, c'est un engagement personnel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Regardez, amis, Dieu est saint et pleinement. Il n'y a en Dieu que ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est lumière. Avoir Dieu, amis, le croyant tombe en admiration et adore, loue et ce incessamment. Et voilà pourquoi, amis,
Le croyant ordonne, recommande, conseille à son âme d'adorer Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Autrement dit, amis, la louange est une question personnelle entre le croyant et son Dieu. Waouh, amis! Eh bien, le croyant qui reconnaît ce que Dieu fait, le croyant qui connaît son Dieu, qui connaît l'identité de son Dieu, qui connaît que Dieu est saint, tout ce que nous pouvons faire, amis, c'est de l'adorer, c'est de le louer, parce qu'il est saint. Ah oui! Ah oui, nous adorons le Seigneur parce qu'il est saint. Il est magnifique en sainteté. Deuxième élément, amis. La louange est une question de reconnaissance à un Dieu bon qui fait du bien aux croyants. Remarquez bien, amis, le psalmiste dit, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amis, toute personne consciente peut témoigner avoir été l'objet des bienfaits de Dieu. Car la grâce de Dieu déborde le cadre religieux, le petit monde de ceux-là qui pensent qu'ils peuvent enfermer Dieu dans leur petite cachette et faire appel à lui à leur gré. Amis, Dieu n'est pas une idole qu'on fabrique et met à sa disposition. Non, la Bible dit que les idoles sont muettes. Mais notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Remarquez bien, amis, pour le croyant, la louange tient aux multiples bienfaits de Dieu en sa faveur. Notamment, amis, notamment, nous allons essayer de citer quelques-uns de ces bienfaits. Voilà, remarquons bien. Au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amis, voilà une première raison pour adorer et pour louer l'Éternel à cause du pardon de nos péchés. Le pardon de tous nos péchés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amis, on met pied à terre. Il est un principe divin, un principe biblique, que celui qui place sa confiance en Jésus-Christ pour son salut reçoit le pardon de tous ses péchés. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? En Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 42 et 43, la Bible dit quoi? Dans sa conversion avec Corneille, Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclare: « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » La Bible dit qu'en Christ, le croyant a la rémission de ses péchés. La Bible dit en Colossiens 2, verset 14, « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Autrement dit, amis, le croyant est pardonné de tous ses péchés. Mais que signifie être pardonné? C'est-à-dire que le problème du péché est à jamais résolu dans notre vie. Disons amen à cela, amis. Le problème du péché est à jamais résolu dans notre vie. C'est un bienfait inestimable pour le croyant. Voilà une raison fondamentale pour laquelle le croyant adore et loue son Dieu. Voilà, amis. C'est une question personnelle, n'est-ce pas? Le pardon des péchés, c'est une question encore personnelle. Remarquez bien, amis. Autre chose comme bienfait, la guérison totale. La Bible dit qui guérit toutes tes maladies. Amis, regardons ce passage de plus près. La Bible dit que Dieu guérit toutes nos maladies avec précision. Il guérit toutes nos maladies. N'y a-t-il pas lieu, amis, de prendre la parole de Dieu au mot et nous déclarer selon la parole de Dieu exempt de toute maladie venant du péché? Parce que Dieu nous a déjà délivrés de toutes les conséquences du péché, notamment de ces maladies. Amis, les maladies sont bien souvent une conséquence du péché. Amen, car Dieu annule cette conséquence.
Mais ami, pourquoi la maladie? Puisque Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Ah oui, ami, c'est le moment de reconsidérer les choses et de saisir notre victoire pleine et entière sur toutes les forces ennemies pour que nous puissions vivre la santé divine dans notre vie. Amen. La santé divine tant dans notre esprit que dans notre cœur, dans notre âme et aussi dans notre corps physique. Et au nom de Jésus, je déclare santé divine sur chacun de vous. Au nom de Jésus, je déclare santé divine sur ma vie, la santé qu'il m'a donnée. Il m'a guéri de toute maladie. Au nom de Jésus, je me déclare guéri de toute maladie. Au nom de Jésus, je déclare aussi que toute personne connectée à ce service maintenant guérit au nom de Jésus. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est un bienfait accordé. Un bienfait accordé. Et pour ce bienfait, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Vous êtes là, amis. Il nous guérit de toutes nos maladies. Voilà. Aussi, il est dit qu'il nous délivre de la fosse, qu'il agit avec bonté et miséricorde envers nous. Oh oui, il fait justice. Oui, l'Éternel est miséricordieux. Sa compassion est aussi extraordinaire que la compassion d'un père pour ses enfants, et même plus. Oui, amis, c'est vrai, la Bible dit que la vie est brève. La vie est brève, mais ce qui importe, amis, c'est de savoir que Dieu nous accorde une vie éternelle. Dieu nous accorde une vie éternelle. Et nous avons raison, amis, nous avons raison de bénir le nom de notre Dieu. La Bible dit aussi extraordinaire que la compassion d'un père pour ses enfants, l'Éternel a compassion aussi de ceux qui le craignent pour ses enfants. L'Éternel nous délivre de la force, amis. Autrement dit, des forces contraires qui pouvaient nous assaillir, des forces contraires qui pouvaient nous détruire. La parole de Dieu dit que l'Éternel nous en délivre. Et non seulement qu'il nous délivre de la force, mais aussi il nous fait rajeunir. Il nous fait rajeunir. Amis, il y a tant de difficultés avec notre corps physique. Quand nous vivons tous ces moments de stress dans la vie, quand nous vivons tous ces maux qui nous environnent et qui nous gangrènent, et au nom de Jésus, amis, je déclare cette jeunesse sur votre vie. Je déclare cette jeunesse sur votre vie, selon la parole de Dieu qui nous dit que, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Il me fait rajeunir comme l'aigle. Amis, c'est encore extraordinaire de penser que Dieu mérite notre adoration pour ses bienfaits aussi merveilleux. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Ah oui, amis, la force de l'aigle. Oui, la force de l'aigle, au nom de Jésus, je le déclare sur votre vie. Et la parole de Dieu dit aussi que notre Dieu est miséricordieux et compatissant. Oh, nous disons merci au Seigneur. Il est bon, il est miséricordieux. Sa miséricorde, c'est qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il éloigne de nous nos transgressions, aussi éloignées qu'est l'Orient de l'Occident. Ah oui, amis, nous avons raison de dire amen et nous avons raison de dire gloire à Dieu, parce qu'il est bon. Gloire à Dieu, parce qu'il est bon. Sa compassion, oh amis, et c'est pourquoi à la fin de ce psaume, le psalmiste en appelle à la création. Il en appelle aux anges. Ah oui, il en appelle à toutes les œuvres de Dieu. Voilà, verset 20 pour dire, d'abord le verset 19 pour dire, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ça, c'est une garantie pour nous, amis, le fait de savoir que Dieu règne sur toutes choses. Le fait de savoir que le trône de Dieu est éternel. C'est-à-dire, ça nous garantit que tout ce que Dieu dit, il peut le faire parce que son règne n'a pas de fin. Est-ce que vous êtes là, amis? C'est pourquoi nous pouvons l'adorer, nous pouvons le glorifier parce que ce qu'il a dit de sa bouche, sa main peut l'accomplir parce que Dieu ne peut pas démissionner, Dieu ne va pas abandonner, Dieu ne perd jamais de pouvoir. Et j'aime ça que Dieu nous dit qu'il nous accorde aussi le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire que nous pouvons exercer ce qu'il nous donne à exercer. Nous pouvons réaliser ce qu'il nous donne à réaliser parce qu'il nous a déjà accordé le pouvoir.
Amen, ami. Disons merci, Seigneur. Disons merci, Seigneur. Disons merci, Seigneur. Et au verset 21, il est dit, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Voilà comment le psalmiste en appelle aux anges. Aussi, il dit, « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Et aussi, « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. » Voilà, amis. Et enfin, le psalmiste encore en appelle à son âme en disant, « Bénis l'Éternel. » Vous voulez le dire aussi, amis, « Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. » En conclusion, amis, remarquons bien dans le passage. Soyons reconnaissants pour le bonheur d'être pardonné. Soyons reconnaissants pour le bonheur d'être pardonné. Ah oui, amis, soyons reconnaissants pour le bonheur d'être pardonné. Et crions ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Reprenons vie, amis, dans l'immensité de l'amour de Dieu envers nous. Car comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. Amis, discernons les innombrables bienfaits de Dieu. Je vous mets un défi, amis. Que pourrions-nous ajouter à la liste des bienfaits de Dieu? La liste qui est dressée là par le psalmiste. Qui ça nous est capable d'ajouter comme bienfait? Oh, nous sommes bien contents pour nous entendre vous-même qui a témoigné de ça. Mais ça va ajouter à bienfait que bon Dieu accorde dans le commentaire pour dire ça c'est bon Dieu même qui fait. Ça c'est bon Dieu qui fait. Ça c'est bon Dieu seulement qui est capable de faire. Vie ça qu'on gagne, c'est seul bon Dieu qui est capable de conserver pour vous. Les délivrer de la force, effectivement. Cette vie que tu as maintenant dans ce pays, c'est seulement Dieu qui est capable de garder le bout, n'est-ce pas? Nous avons raison pour nous dire, bon Dieu, merci, même j'entends pour David Feli, n'est-ce pas? Il y rajeunit nous comme l'aigle, mais effectivement, il nous nourrit à tout moment. Dans un pays comme ça, hein? Dans un pays comme ça, bon Dieu prend soin. À chaque fois où vous gardez, vous t'as dit tout, vraiment, bon Dieu, grand, bon Dieu, bon, pour les garder au niveau ça, pour les garder en santé, malgré tout, dans le pays ça, ah oui, amis, qui sont capables d'ajouter à l'ISA? Amis, avons-nous de nouvelles raisons pour louer Dieu? Oh, chaque jour, une nouvelle raison pour louer notre Dieu. Chaque jour, une nouvelle raison pour louer notre Dieu. Amis, je peux vous le dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est pourquoi je veux terminer ce moment pour vous dire d'abord la louange. La louange est une question personnelle entre le croyant et son Dieu. Et c'est pourquoi vous pouvez en appeler pour adorer le Seigneur. Et deuxièmement, la louange est une question de reconnaissance à un Dieu bon qui fait du bien aux croyants. Bon Dieu fait du bien à tout le monde, amis. Et notamment à Petit Lio, il accorde du bien. Il fait du bien. Et le psalmiste peut dire qu'il nous fait du bien toute notre vie. Vous êtes là? Il nous fait du bien toute notre vie. Et c'est son pardon qu'il nous accorde, c'est quelque chose d'éternel. Son pardon qu'il nous accorde, c'est quelque chose d'éternel. Parce qu'il nous a donné sa justice en faisant tomber sur Jésus nos iniquités et nous donner sa justice. Nous avons raison de bénir le nom de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons raison de bénir le nom de Dieu, n'est-ce pas? Et aussi, il nous guérit de toutes nos maladies, n'est-ce pas? De toutes nos faiblesses. De toutes nos faiblesses. Il nous bénit, il nous fait grâce. Et nous avons raison de bénir le nom de notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Sentez-vous à l'aise de répéter des mots. Sentez-vous à l'aise de rendre grâce à Dieu aujourd'hui. C'est un moment de louange. Yon louange sans prendre souffle dans la prière Bible en main aujourd'hui. C'est ça que nous allons faire exactement aujourd'hui. Nous allons adorer, nous allons louer, nous allons bénir mon Dieu. Nous allons dire bouche, nous allons pas jamais rester fermé parce que toute adoration, nous, c'est pour bon Dieu. Bouche, nous allons pas jamais rester fermé parce que toute adoration, nous, c'est pour bon Dieu. Voilà, amis, prions ensemble maintenant pour dire Père des cieux, Dieu notre Père.
Mon âme te bénit ce matin. J'en appelle à tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps, mes pensées, ma force de te bénir. Merci Père, parce que tu es bon, car tu es saint et devant ta sainteté, je tombe à genoux devant toi pour reconnaître que personne n'est comparable à toi. Tu es magnifique en sainteté, tu es digne de mes louanges, tu es digne de mon adoration, tu es digne de mon admiration. Père, je bénis ton nom, ô mon Père, pour tes grands bienfaits dans ma vie. Ô Dieu mon Père, c'est toi qui pardonnes tous mes péchés, je dis bien tous mes péchés par Jésus-Christ. Oh, je te rends grâce, je bénis ton nom. Merci d'avoir résolu le problème du péché dans ma vie. Oh, je te dis merci, je glorifie ton nom. Oui, Père, tu me rends incompatible avec le péché, car ton pardon est mon partage. Je te dis merci. Je te remercie aussi pour la guérison de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Je bénis ton nom. Père, des douleurs qui me retiennent, je déclare ma guérison et la guérison de toute personne connectée maintenant à ce service. Je bénis ton nom pour la délivrance à moi accordée et à chaque personne ayant confessé Jésus. Je te remercie pour ta justice en faisant tomber mes péchés sur Jésus, lui, la rançon payée pour mes péchés. Oh, merci pour tous les aspects de la grâce de Dieu manifestée en ma faveur. Père, je déclare que ma vie reflète ta grâce. Je déclare heureuse vieillesse sur ma vie et sur la vie de chaque personne connectée à ce service. Je déclare jeunesse et vigueur sur chaque personne connectée à ce service, sur ma vie personnelle, sur la vie de mes parents, sur la vie de ma famille, au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ta grande miséricorde, pour ta grande compassion, pour ta grande bonté envers moi, envers chaque personne connectée à ce service. Oh, et envers tous tes enfants, oh Père, je bénis ton nom. Je te glorifie pour ton trône éternel et ta domination sur toutes choses. Oh Père, merci parce que tu ne démissionnes jamais. Merci parce que tu restes en poste. Merci parce que c'est à toi le pouvoir. Et comme tu as accordé tout pouvoir à Jésus, merci pour le pouvoir que tu nous donnes de pouvoir exercer notre ministère sur la terre pour glorifier Jésus, pour bénir des destinées au nom de Jésus. J'en appelle à des anges. J'en appelle à tes œuvres, j'en appelle à tes serviteurs. Ensemble, bénissons l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. J'en appelle au foyer de communion. Disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. J'en appelle maintenant à toute personne connectée à ce service. Disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Encore une fois, disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, disons Amen, amis, Amen. Encore une fois, Amen, et dites Amen, Amen. Voilà, amis, yon louange sans point souffle dans la présence de Dieu ce matin. Yon louange sans point souffle dans le foyer de communion ce matin. Yon louange sans point souffle dans la prière Bible en main ce matin. Voilà, amis, quelle est notre part de responsabilité pour yon louange sans point souffle, amis, dans la présence de Dieu? Si Dieu mérite toute notre adoration, mais quelle est notre part de responsabilité, amis? La première chose, amis, suspend plein. Suspend plein. Et désormais, toute personne connectée à ce service
Nous déclarons, nous suspendons plein, nous suspendons inquiéter. Parole bon Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, le verset 6. Un passage que vous connaissez ou habitué avec lui. Eh bien, premier barré, les amis, lors on a fait avec un bon Dieu louange, lors on a fait avec un bon Dieu saint, un bon Dieu qui fait de grandes merveilles, un bon Dieu qui fait de grandes choses pour la vie, nous, amis, nous pas qu'à tout le temps pour nous plaindre. Non. C'est pour nous dire non. Et la parole de Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà, amis. Premier détail là, c'est que nous devons réjouir nous tout le temps dans la présence de Dieu. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous fait du bien, n'est-ce pas? S'il pardonne toutes nos iniquités, amis, nous avons raison de crier Alléluia et béni soit l'Éternel. Et pourquoi nous plaindre? Nous plaindre sur nos péchés, les mêmes péchés dont il nous a pardonné, amis, c'est injuste. C'est injuste. C'est pourquoi nous devons nous relever maintenant avec une nouvelle détermination devant le trône de Dieu pour l'adorer, pour l'adorer, pour l'adorer, pour le louer. Oh oh, quelle est cette question de rester, de rester emprisonné et enchaîné par le péché? Non. Nous nous libérons au nom de Jésus. Nous déclarons notre pardon. Nous disons merci à Dieu qui nous a pardonné. Et nous saisissons notre victoire sur le péché. Parce que Dieu nous met déjà des témoins sur le chemin. Non, nous n'allons pas rester comme ça. Et la parole de Dieu dit, quand nous ne nous inquiétons pas, quand nous rendons grâce à Dieu, voilà ce qui est arrivé. Et il est dit au verset 8, au reste, voilà tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, tout cela sera l'objet de nos pensées. Voilà, amis, nous n'allons pas nous plaindre. Nous n'allons pas nous plaindre. Assez de nous plaindre. Assez de nous plaindre. Moun k ap vin compatir avec ou ap vin di oh oui, moun konn sa ap subi, moun konn sa ou rencontré, moun konn sa ou écouter, moun konn sa ap soufri. Zanmim, di moun yo fonti campé ba ou chans ou pou ke ou kapab adorer ou kapab louer bon Dieu louange lan parce que c'est lui-même qui délivré, c'est lui-même qui délivré, c'est lui qui konn délivré, c'est lui qui bay délivrance. Et mais c'est lui n'ap louer zanmim. Oh oh, depuis qu'il était gen délivrance nan plein. Depuis qu'il était gagné délivrance dans plein, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tout le monde qui t'a fait peur, yo. Oh oh, amis. Oh oh, quelle est notre part pour une louange sans prendre souffle? Pour une louange sans prendre souffle. Amis, suspend plein. Suspend inquiété. Suspend inquiété. Voilà. La parole de Dieu dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Eh bien, c'est le moment, amis. Levons-nous devant le trône de Dieu pour lui déclarer notre amour. Levons-nous devant le trône de Dieu pour lui déclarer notre amour. Parce qu'il nous fait du bien. Un tel Dieu mérite notre amour. Et il va même forcer nous pour nous remettre. Il fait nous du bien. Mais seulement l'a gardé nous. Pour lui, avec qui cœur nous va venir plaindre qu'on y a. Oh, zami, pour dat bon Dieu a prend soin nous, et puis jodi a pou ta vin la gen la, non, on leve campé pour nous louer l'Éternel parce que nous gagnons la victoire, nous gagnons la bataille là. C'est pour nous dire gloire pour lui, honneur pour lui, louange lui remplit toute la terre. On leve campé pour nous louer l'Éternel, on leve campé pour nous louer l'Éternel. En lever campé pour nous louer l'Éternel. Parce que c'est lui-même qui bat nous la victoire. C'est lui-même qui gagne la bataille là pour nous. N'a dit louer l'Éternel. Voilà, amis. Que pourrais-je offrir à Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Oh, reçois, ô Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, ô Seigneur, ma reconnaissance. Voilà, amis. Dans le psaume 116. Dans le psaume 116. La parole de Dieu dit, mais que pourrais-je offrir à Jéhovah?
Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Comment rendais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Parce que regarde la liste de livrances, mon Dieu, fin bail là. Liste de livrances que mon Dieu fin bail là, ou capable de crier et dire, j'aime l'Éternel. Oh ami, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. N'est-ce pas? Je l'invoquerai toute ma vie. Nous avons dit ça, ami. Je l'invoquerai toute ma vie. Nous capables de dire ça. Loué soit l'Éternel. Nous capables de rendre grâce à bon Dieu ça qui bâille nos victoires là. C'est mon comment papa. On nous prie, les amis. On nous prie. On nous prie, les amis. On nous prie pour nous parler avec bon Dieu ça. Donne dit papa, bon Dieu. Oh, devant ton trône. Nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons aujourd'hui. Oh, papa, merci pour ton amour. En retour, nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier. Et voilà, nous venons, Seigneur, te rendre cet amour. Nous venons disposer nos cœurs devant toi pour te remercier. Oui, Père, tu es bon. Oui, Père, tu as fait des merveilles dans notre vie pour lesquelles nous te sommes reconnaissants parce que tu es bon. Nous venons te dire, Père, c'est toi notre secours. Nous bénissons ton nom. Ô Père, merci pour toutes choses. Nous venons te rendre grâce pour toutes choses, parce que toi seul es digne de nos louanges. Toi seul es digne de notre adoration. Toi seul mérite, Père, notre louange. Le psalmiste dit, béni soit l'Éternel, et il est délivré. Au nom de Jésus, nous venons déclarer, béni soit l'Éternel. Et nous déclarons notre délivrance au nom de Jésus. Père, il y a tant d'inquiétudes sur la route, mais nous venons les bannir de notre vie maintenant. Oh, inquiétude zéro, inquiétude anathème, action de grâce, oui. Action de grâce, oui. La prière, oui. Et dans la parole où dis-nous, tout ça qui est bon avoir l'objet de penser nous. Ô Père, il y a tant de mauvaises pensées à chasser pour laisser place au Saint-Esprit, pour produire dans notre vie les bonnes pensées, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation. Ô Père, merci pour tes grâces et tes faveurs dans notre vie. Tu es bon, tu es fidèle. Nous pas un qualificatif tellement ou bon. Oh Père, merci. Et même bon Dieu qui fait la mer rouge là, il qu'a fait Haïti jodi a au nom de Jésus. Même bon Dieu qui traversait avec peuple Israël là dans le désert, il qu'a fait pays nous au nom de Jésus. Voilà, nous disons merci Père. Merci. Disons ensemble, merci Seigneur. Disons ensemble merci Seigneur. Je bénis ton nom Seigneur. Je t'aime, ô mon Père. Tu es bon pour moi. Tu es fidèle envers moi. C'est toi qui me délivre. C'est toi qui me sauve. C'est toi qui me conduis. C'est toi qui me garantis, oui, mon bonheur. C'est toi qui es toujours présent avec moi. C'est toi qui me promets de bonnes choses. C'est toi qui as des projets de paix et non de malheur sur ma vie. Je bénis ton nom aujourd'hui. Je bénis ton nom ce matin. C'est toi qui bénis tout ce que nous entreprenons. Nous bénissons ton nom aujourd'hui. C'est toi qui délivre notre vie de la force. Oh, nous bénissons ton nom aujourd'hui. C'est toi qui délivre notre famille. Nous bénissons ton nom aujourd'hui. C'est toi qui prends soin de nous chaque jour. Nous bénissons ton nom. C'est toi, Père, qui nous accompagne. C'est toi qui nous promets jamais tu ne nous abandonneras. Eh bien, nous t'adorons, Seigneur. C'est toi qui es sur ton trône comme une garantie de réaliser tous tes projets dans notre vie. Nous bénissons ton nom pour cela. C'est toi qui nous donnes Jésus. Nous bénissons ton nom pour cela. Amis, crions, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, disons Amen, Amen, encore, Amen et Amen. Voilà, amis, voilà, amis, voilà, amis. Que pourrais-je offrir à Jéhovah?
Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, ô Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, ô Seigneur, ma reconnaissance. Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, disons ensemble, reçois, ô Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, ô Seigneur, ma reconnaissance. Voilà ami, comment prier en louant et en adorant? Voilà ami, c'est tout à fait important. Comment prier en louant et en adorant? Voilà, l'idée la mène nous tout de suite dans Éphésiens chapitre 5, verset 19 et 20. Éphésiens 5, verset 19 et 20. Éphésiens chapitre 5, verset 19 et 20. Est-ce que vous l'avez mis? Éphésiens 5, verset 19, 20. Mais sa parole, bon Dieu dit. Allez, verset 19 et 20. Lisons ensemble. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Oui, amis. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, amis. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Et je crois qu'en Thessaloniciens, il est dit, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà ce qui est juste devant Dieu, ce qui est agréable à Dieu, parce que nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà, amis, nous prenons grâce à bon Dieu pour toute bagaille. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Bon Dieu m'a dit pour nous rendre grâce dans toute bagaille. Il dit c'est pour nous chanter des cantiques. C'est pour nous lire des psaumes. C'est pour nous déclarer des paroles d'adoration au nom de Jésus. Voilà, amis. Autrement dit, nous adorons le Seigneur en priant. Pendant que nous chantons, pendant que nous lisons des psaumes de louange, des psaumes d'adoration. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel, peuple haïtien, c'est pour nous louer, bon Dieu. Ah oui, louez bon Dieu créateur. Et m'bon garanti la conduit vers Jésus-Christ. C'est pour louer bon Dieu.
Et toute petite bon Dieu qui sous terre d'Haïti ça t'a dû louer bon Dieu tout le temps. C'est pour nous louer bon Dieu parce que c'est comme ça chaîne a cassé au nom de Jésus. Chaîne a cassé au nom de Jésus. Ah oui, amis, vous connaissez louange cassé chaîne déjà? Moi comment moi considérer passage ça avec vous déjà? Est-ce que vous songez ça? Louange cassé chaîne déjà? Eh bien voilà, l'apôtre Paul, vous vous rappelez? En Actes des Apôtres chapitre 16, ce moment d'adoration qui a fait tomber les chaînes. Ah oui, amis. Ah oui, amis. Ah oui. Et il a dit, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et même les prisonniers entendaient. Ah, vous comprenez ça? Dans la prison, dans la fournaise, côté où il y a, à cause de la situation ça, qui arrive là. C'est louange, oui, mes amis. Louange, oui. Et il a dit tout à coup, il se fit un grand bruit, oui, un tremblement de terre, oui. Même les fondements de la prison furent ébranlés, oui, amis. Et en ce même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, oui. Ou comment ça? C'est louange dans ça, oui, amis. Mais espérez qu'on n'est pas capable d'oublier un bagage comme ça. Voilà, nous adorons le Seigneur pendant que nous avons loué mon Dieu. Nous avons prié pendant que nous avons loué mon Dieu. Nous avons prié pendant que nous avons loué mon Dieu. Qui ça pour nous tabaye à Jéhovah? Qui fait autant de miracles dans la vie nous? Eh bien, reçois au Seigneur notre reconnaissance. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Reçois l'adoration. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Oui, amis. Jeudi, c'est un jour spécial pour nous adorer, mon Dieu. Jeudi, c'est un jour spécial pour nous adorer, mon Dieu. Disons comme le psalmiste. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, n'est-ce pas? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est un jour d'adoration parce que notre Dieu est présent. Et si Dieu est présent en toi là où tu es, c'est un temple du Seigneur. Adore le Seigneur. Chante ses cantiques. Chante ses louanges. Chante ses louanges. Autrement dit, nous adorer bon Dieu. Pendant que nous chantons des cantiques, pendant que nous lisons des psaumes, pendant que nous répétons les paroles sérieux. Mais en 1 Samuel chapitre 2, Anne explique-nous en l'autre façon nous capables d'adorer bon Dieu. Qui ça le fait avec Samuel? Il t'a demandé à bon Dieu, bail Samuel, qui ça le fait? Il retourne Samuel à bon Dieu. Et c'est de là qu'on a appris ce principe, amis. Nous adorons le Seigneur, nous le louons, nous le remercions en lui retournant ce qu'il nous a donné. Amis, soyons riches pour Dieu. Vous avez des talents, soyez talentueux pour Dieu. Dieu vous donne des dons spirituels, mettez-les au service du Seigneur. Pour le foyer de communion, nous avons besoin des gens qui peuvent adorer. Nous avons besoin des gens qui peuvent chanter, qui peuvent jouer aussi de la musique. Vous avez ce talent, pourquoi cachez-vous? Venez adorer avec nous, venez chanter avec nous, venez louer l'Éternel. N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il fait des merveilles? Et pourquoi vous vous retenez? Amis, apprenez à retourner à Dieu ce qu'il a donné. Et c'est laisse à qui mon Dieu merveille, qui vous observe. Il dit que bon Dieu bâille encore Anne, encore beaucoup plus d'enfants. Pourquoi? Parce que dans sa reconnaissance, il a retourné à Dieu Samuel que Dieu lui a donné. Est-ce que vous êtes là, ami? Moi, je ne comprends pas. Comment vous récitez pendant service, bon Dieu, à fait? Comment vous récitez pendant que vous avez besoin? Comment vous récitez? C'est pour venir. C'est pour venir. Pas quitter distance entre vous-même avec bon Dieu. Dans le cadre de talent, dans le cadre de don que le barou, n'a adoré bon Dieu pendant n'a récité des psaumes, n'a chanté, mais n'a mettez nous tout au service de Dieu. Est-ce que vous l'avez mis?
Nous nous mettons aussi au service du Seigneur. Nous nous mettons aussi au service du Seigneur. Et m'attendre pour que vous fassiez signe, ça vous dit que vous disposez, vous venez, parce que vous venez chanter, vous venez adorer, vous venez jouer musique là. Parce que, écoutez, amis, et si vous ne faites pas ça, qui est-ce qui vous fait le pour vous? Qui est-ce qui vous fait le place où? Ah oui, amis, il faut que nous adorions, bon Dieu, ça, lui-même qui c'est bon Dieu. Lui-même qui n'a pas gagné personne qui est capable de comparer avec les amis. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Nous venons pour nous adorer. Hein? Moi, je viens adorer, moi, je viens mettre à genoux, moi, je viens dire, c'est où qui est bon Dieu? C'est où qui est bon Dieu? Ah oui, amis, pas peur, non, pour chanter. Moi, je viens adorer, ou moi, je viens mettre à genoux, moi, je viens dire que c'est où? Qui bon Dieu, ou mérite tout l'amour, ou mérite toute gloire, ou vraiment m'éveille dans la vie. Au moins vin adorer ou moins vin mettre à genoux, moins vin dire que c'est où qui bon Dieu. Ou mérite tout l'amour, ou mérite toute gloire, ou vraiment m'éveille dans la vie. Voilà, amis, nous chanter pour nous dire bon Dieu merci, nous adorer bon Dieu pendant que nous chanter, nous crier béni soit l'Éternel, mais aussi nous nous mettons au service du Seigneur, mais aussi nous retournons à Dieu ce qu'il nous a donné comme talent, comme moyen, comme argent, comme bien matériel. Eh bien, amis, tout c'est pour bon Dieu que vous voyez. La parole de Dieu dit, c'est à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Nous faisons partie de la terre, nous faisons partie du monde. Autrement dit, tout ce que nous avons appartient aussi à Dieu. Eh bien, amis, nos talents, nos dons spirituels, nos capacités manuelles, nos capacités techniques et technologiques, venons ensemble dans le foyer de communion, les mettre au service du Seigneur et se garder, regarder les amis, comment bon Dieu pas jamais manger sueur monde. On capable de dire ça, il pas jamais abandonner monde qui vient mettre au service de lui. Tendez bien amis, il pas jamais abandonner, il l'a multiplié. C'est Job qui pour dire qui ça le fait, il pas perdu rien, il retourner Job toute ça le gagné et il multiplié yo. Amis, ou pas jamais regrette non, si vous venez mettre au service du Seigneur. Voilà amis. Voilà. Reçois au Seigneur ma reconnaissance. Reçois au Seigneur ma reconnaissance. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Eh bien, n'a chanté cantique, oui, n'a lu des psaumes et aussi n'a retourné à bon Dieu salbaï là. Oui, et n'a metté tout talent nous yo, tout don nous yo, toute technicité que nous gagnons, toute capacité que nous gagnons, n'a metté yo au service du Seigneur. Voilà, amis. Je dis à spécial, prends bibou avec moi dans psaume 118. Psaume 118, la parole de Dieu dit dans le psaume 118, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, quoi, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Posez une question, ça non. Que peuvent me faire des hommes? Rien du tout. Rien du tout, au nom de Jésus. L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amis, mes paroles là. Verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Bien souvent nous péchons, nous payons ça tout. Verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Quittez bon Dieu, levez-vous.
qui te grand yo fait route yo, mais ou même qui te bon Dieu fait route là avec vous, au nom de l'Éternel, que de se confier au grand. Voilà, verset 10. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oui, ami, verset 13, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ah oui? Les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Pourquoi? Parce que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Oui. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Voilà, je te loue parce que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, amen, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée d'adoration au nom de Jésus. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Disons ensemble, nous vous bénissons réciproquement. Disons ensemble, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens et amenez-la jusqu'au cône de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amis, prions ensemble pour dire, Dieu, tu es bon, nous bénissons ton nom. Dis, l'Éternel, mon Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux, je bénis ton nom. Et ce matin, nous venons déclarer que nous craignons ton nom. Parce que tu es Dieu, c'est toi qui nous délivres de la détresse, c'est pourquoi nous invoquons ton nom. Merci pour l'exaucement, amen. Merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Merci pour la liberté au nom de Jésus. Merci pour la liberté au nom de Jésus. C'est toi qui es notre secours, nous bénissons ton nom. C'est toi qui nous réjouis. Nous bénissons ton nom. Tu es pour nous. Personne ne peut être contre nous. Personne ne peut gagner contre nous. Personne ne sera victorieux contre nous. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Nous le croyons. Amen. Nous sommes environnés, mais au nom de l'Éternel, tous nos ennemis sont tombés. Nous sommes environnés. Nous sommes enveloppés. Mais au nom de l'Éternel, toutes nos chaînes sont tombées. Oh, merci Père. Nous sommes environnés comme des abeilles. Oh, nous sommes environnés comme avec des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, nous pouvons les tailler en pièces. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous relèves. Merci Seigneur parce que c'est toi notre secours. Merci Seigneur parce que c'est toi notre force, le sujet de nos louanges. C'est toi notre salut. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous triomphons. Au nom de Jésus, nous triomphons. Au nom de Jésus, nous triomphons.
Au nom de Jésus, nous triomphons. Au nom de Jésus, la vie est pour nous. La vie est pour nous. Ta droite a manifesté sa puissance. Au nom de Jésus, la vie est pour nous. La vie est pour nous. Le témoignage est pour nous. Ah oui, c'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui ne nous as pas livrés à la mort. Merci parce que tu nous as rendu ta justice. Et maintenant, nous voulons louer l'Éternel. Nous louons l'Éternel, nous louons l'Éternel, nous louons l'Éternel parce que c'est toi qui nous exauces. Nous te louons parce que c'est toi notre salut. Ô Père, merci parce que tu nous ou fais-nous importants. Au nom de Jésus, nous bénissons ou fais-nous importants. Au nom de Jésus, nous bénissons ou considérez-nous comme précieux. Au nom de Jésus, nous bénissons ou fais-nous même gens avec Jésus. Au nom de Jésus, nous bénissons ou fais-nous même valeur que vous mettez sous Jésus. Au nom de Jésus, nous bénissons ou. Et c'est pour ça, jodia, nous déclarer c'est une journée d'adoration. C'est pour ça, jodia, nous déclarer c'est une journée de louange à notre Dieu. Au nom de Jésus, merci Père d'amour. Merci Père d'amour, merci Père d'amour, c'est toi notre salut, merci Père d'amour, oh c'est toi qui nous éclaire, oh Père, le sacrifice est là, nos cœurs sont devant toi, et c'est toi notre Dieu, nous te louons, c'est toi notre Dieu, nous t'exaltons, c'est toi notre Dieu, nous déclarons que tu es bon, parce que ta miséricorde dure toujours, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Moi va triompher, moi va triompher, moi va triompher, oh oui, bon papa.
qu'à témoigner toute vie moi gagne victoire en Christ. Voilà, Zamim, la prière Bible en main, Jodia, c'est spécial parce que nous te voulons témoigner ça, bon Dieu fait pour nous adorer, bon Dieu. Nous venons adorer le Jodia. C'est une louange sans point souffle pour bon Dieu, nous. Une louange sans point souffle dans le cadre de la prière Bible en main. Est-ce que, là, Zamim, nous pouvons aller parce que nous pouvons finir adorer? Nous parlons de bouche, nous pas qu'on doit être fermé parce que toute adoration, nous, c'est pour bon Dieu. Oui, en pile bagay dit et fait pour que bouchou rete fermé, mais bouchou pas ka rete fermé parce que et adoration qui est ce qu'a prend li à bon Dieu. Et mais voilà, nous parlons de ça ensemble. Bouche moins pas j'aimerais rete fermé adoration moins c'est pour jouk mwen pa gen souf ankor adorasyon mwen se pou bouch mwen pa janm rid fè men adorasyon mwen se pou. Même l'aime pas gain souffre encore adoration moi c'est pour bouche moi pas j'aimerais faire mais adoration moi c'est pour. Même l'aime pas gain souffre encore adoration moi c'est pour vous moi pas j'aimerais faire mais adoration moi c'est pour. Jouk mwen pa gen souf anko adorasyon mwen se pou. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange pour vous, Seigneur. Louange dans la bouche, moi c'est pour vous, Seigneur. Louange dans la bouche, moi c'est pour vous, Seigneur. Louange dans la bouche, moi c'est pour vous, Seigneur. Tout ça, moi y est, c'est pour vous, Seigneur. Tout ça, me posséder, c'est pour vous, Seigneur. Tout ça, m'a fait, c'est pour vous, Seigneur. Oh, merci, papa. Vim devant vous, papa. Vim dans mes mains, papa. Vim nan prezan sou papa, vim dispose pou ou Seigneur, vim disponib pou ou nom de Jésus, famim disponib pou ou nom de Jésus, famim dispose pou ou nom de Jésus, vim nou dédié a ou papa au nom de Jésus, adoration nou se pou ou papa, adoration nou se pou ou papa, adoration nou se pou ou papa, ki sa pou nou tabay papa, nou rekonesan tout simplement, nou rekonesan tout simplement.
simplement, nous reconnaissant tout simplement, nous reconnaissant tout simplement, nous reconnaissant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, amis, c'était la prière, Bible en main. Et moi, je souhaite une excellente journée, jeudi, un bon week-end. Et pas oublier rendez-vous nous dimanche ça encore avec le foyer de communion. Nous rencontrons ça en présentiel. Oh, bien bonheur, 8h dans le matin, Nabdelma 83, pour nous continuer, dis mon Dieu ça, merci, et apprendre parole li. Et dimanche ça, nous parlons ensemble, le Dieu de la conquête et la guerre, le Dieu de la conquête et la guerre, le Dieu de la conquête et la guerre. Encore une fois, nous parlons glorifier mon Dieu, mais soyez de la partie. Puisque bon Dieu Pablo était derrière, bon Dieu Pablo était en arrière. Venez ensemble, parce que nous avons raison pour nous adorer, bon Dieu, ensemble, et pour nous tendre des messages, paroles libres, pour nous connaître qui ça le voulait pour nous faire. Voilà, amis. Bonne journée et bon week-end.